Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Akuchacha. Simandechi. Akuchacha. Simandechi. Noya Alokpe Judith. Je m'appelle Alokpe Judith. Gosi Fidjoseph. Je viens de Fidjoseph. Mau mito edom da ho gegero sino gbazanche me amon wewe na mahami. Le Dieu de part de vie a opéré beaucoup de miracles dans ma vie, mais je voudrais partager deux avec vous. Mardi de wayo. Le mardi passé, nota pele pele senti we. Je sentais des douleurs à la tête. J'ai pris les médicaments. Tantôt cela me relâchait un peu, mais tantôt cela recommençait. Et à notre départ d'ici le jeudi, c'était devenu tellement compliqué pour moi. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Je ne faisais que pleurer. Et j'ai pris la résolution d'aller à l'hôpital. Et je me suis habillé. Et mon mari m'a dit: ah, il faut que tu informes la prophétesse. Quand j'ai appelé maman, ça a sonné, mais elle était occupée. J'ai appelé le diacre junior. Le diacre a prié pour moi. Et quelques instants après, je me suis dit: je vais retenter le numéro de maman. Quand j'ai retenté, le numéro a marché. Et maman a décroché, elle a prié pour moi. Après sa prière, je me suis couché dans le divan. Et à mon réveil, je me suis senti légère. Mais avant la prière, vous étiez lourde, c'est ça, non? J'étais tellement malade où je ressentais les maux de tête. Donc, on va mettre ça vendredi. Et le vendredi, je suis venu à la prière. Et je me suis inscrite pour la ligne de prière. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus retrouvé les mots de tête. Acclame là. Très fort. Et le repère m'a pas fort. Plus fort que ça. Repère ici ou gamin. Nous regardons ma blonde. Et la deuxième chose que tu as fait. Apparo, ce mois de mille à ce meilleur mini, pour les djiboro. Et mais il y a la canidoua. Yassan Bazami tombe. Quoi j'ai tourné minane. Le vendredi, quand l'homme de Dieu était en train d'appeler les gens pour les appels de fonds pour Port TV, il a dit: la cotisation que vous devez donner pour vos sorciers là, venez donner ici en même temps. Et on a prié ainsi. Et quand j'étais rentré, je me suis couché. Au bon milieu de la nuit, j'ai commencé par faire des cauchemars. Je me suis vu dans une forêt. Et il y avait quelqu'un qui me pourchassait. Et j'avais un enfant. Je n'arrivais pas à voir son visage. Il avait un gourdin, il me pourchassait. Et il m'a dit: donne-moi l'enfant. Et j'ai refusé, je fuyais. Mais vous allez penser que dans ses rêves, je n'arrivais pas à courir. Je courais constamment, mais c'était comme si quelque chose me tirait. Et c'était comme si l'ennemi là voulait m'attraper. Mais instantanément, j'ai constaté la présence de l'homme de Dieu dans le rêve. Et l'homme de Dieu s'est faufilé au milieu de nous. Oh, est-ce que tu peux acclamer très fort? Il est venu de nulle part. C'est comme le Saint-Esprit. Il souffle comme un vent. Et l'homme de Dieu lui a arraché le gourdin. Et l'homme de Dieu l'a frappé avec son propre gourdin, il est tombé. Et c'est quand il est tombé que j'ai pu voir son visage. Vous savez, mon papa, il est chef du fétiche tron. Et celui-là qui est pédicat pour mon papa, j'ai vu son visage. Et l'homme de Dieu l'a frappé jusqu'à ce qu'il ne meure. Et l'homme de Dieu a gardé ma main. Avant qu'il ne finisse de tenir ma main, je me suis réveillé. Et j'ai eu peur. Et puis j'ai réveillé mon mari. Je lui ai narré l'histoire. Et on a prié ensemble et on s'est recouché. Mais vous savez, d'habitude, quand moi je rêve, cela ne se réalisait pas. Donc je n'ai pas taillé une importance à cela. Autour de 9h30 dans la matinée, c'était hier simplement, hier passé, ma tante m'a appelé. Un appel est venu. Et donc, il est,
du village ou bien de Cotonou. Et dans Cotonou, il aurait signé un calo clé tout retour même. Ma tante est affichée de ces barrières. Elle m'a dit, hey, Judith, sais-tu ce qui s'est passé? Ah, l'élément là est parti. Pédigan est mort. Et dans Nyandido. Pédigan est mort. Et dans Nyandido. Après ce programme, les Pédigan vont tomber. Pédigan est mort. Et les soins n'ont pas mort dans mon morido. J'ai commencé par me lamenter de façon ironique. Je disais, ah oh, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il était malade? Et ma tante disait, non, on l'a vu comme ça aujourd'hui. Oh. Wow. Waouh. Wow. Wow. Et je dis à ma tante, maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Elle m'a dit, non, je veux ta cotisation. Elle dit non, 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 le corps là, c'est en même temps. On va ah, je vous ai dit ici, non. Non, mais nous me fier. On ne met pas ça à la morgue. Mais non, c'est nous, on est là, on est qu'une glace, mais non. Bon, non, y'a de quoi s'y aller. Et je lui ai dit, moi là, je n'ai pas un copec. Tant, y'a nous mien. Oh, le temps n'est pas agréable chez moi. Belle, ma tête, quoi, donne à sous tout. Elle m'a dit, même si tu n'as pas l'argent, dis ça à ton mari. Bon, là, si tu es sous le droit, quoi, rien de mon coupé. Et je lui ai dit, mon mari, il n'a pas un iota. Et j'ai coupé l'appel. Si portable. Et j'ai été mon téléphone. Bon, bon. Et c'est fini. C'est fini. Et pas de fini. On n'a pas encore fini. Et d'ailleurs, il faut. Hein? Le reste là. Et d'ailleurs, mes colères. Pour toi, va tomber. Et là, tu es dis à main très fort. Amen. 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 Wow. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement, Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce. Et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Je m'appelle Senahou Alice. Je viens d'Abomey. Il y a un jour, j'ai capté la chaîne Port TV et le Dieu de Port TV m'a vraiment surprise. Nous comptons d'un télévision. La première fois que j'ai regardé cette chaîne, j'étais en train de préparer à la cuisine et les enfants me dérangeaient. Et je voulais leur capter une chaîne où ils pouvaient suivre des sketchs. Et je zappais les chaînes quand je suis tombé fortuitement sur Port TV. Et c'était le père de la maison même qui prêchait. Et la parole de Dieu qui sortait le jour là me sciait. Et puis j'ai ramené ma colporte au salon. Pour wow. Bien suivre la prédication. Voilà mon temps, feuilleton. Donc, vous voulez suivre en direct ce que l'homme de Dieu faisait. Et j'étais en face de mon écran. Et l'homme de Dieu prêchait. Et il a touché mon cœur. Il a touché ma vie. Et puis, je me suis assis un instant. Et puis, j'observais toujours. Mais j'avais un enfant. Un enfant. C'est l'enfant de mon grand frère. J'aimais tellement cet enfant. C'est moi qui prenais soin de l'enfant depuis qu'elle avait 3 ans. Et puis je voulais forcément que l'enfant soit inscrit chez moi pour commencer l'école. L'enfant fréquentait une école publique. Mon enfant aussi avait commencé l'école au même moment. Et puis j'ai ramené l'enfant dans une école privée. Mais la manière dont l'enfant se comportait bien auparavant,
Son comportement a radicalement changé. Son comportement devenait bizarre. L'enfant me dérangeait constamment. Oh, c'était l'enfant de mon grand frère. Je ne voulais pas le retourner à ses parents. Mais l'enfant est toujours chez moi. Et le jour où papa prêchait, l'homme de Dieu disait, tout ce qu'ils ont mis dans ton foyer comme repère, qui viendra te tourmenter, aujourd'hui je l'enlève, il sera démasqué. Et j'ai suivi les prières et puis j'ai prié. Je priais quand mon époux était rentré. Et il me disait, oh ma chérie, moi je veux suivre le journal. Hein. Je lui ai dit, oh mon cœur. Ah, ah. Dis quinclin sèche. Ah, dis-moi, s'il te plaît, sèche. Mon cœur. Sinon, nous, on va regarder le journal faussé. Et je lui ai dit, chérie, permets-moi de suivre au moins cette émission-là. Ah, cette prière te concerne aussi, hein? Et quand mon époux est rentré, on a prié ensemble. Et c'était autour de 21h. Est-ce que votre mari est chrétien? Il n'est pas chrétien. Et on s'est couché le jour-là. Le jour-là, on ne s'est pas couché dans la chambre à coucher comme d'habitude. On s'était endormi au salon. Ah, et il arrivait un moment où mes propres enfants refusaient de se coucher à côté de l'enfant de mon grand frère qui était auprès de moi. Et l'enfant dit, ok, comme tout le monde me chasse, j'irai dormir dans la salle à manger. Et on s'est couché le jour-là. Autour de 0h30 dans la nuit profonde, et j'ai constaté que l'enfant s'est levé. Et il est rentré dans la chambre à coucher. Il ne pouvait pas rester de l'autre côté. Il s'est retourné. Il est rentré dans la douche. Impossible de rester là-bas. Et je me suis levé. Et puis quand je voulais aller voir ce qu'elle faisait, on s'était croisés dans le couloir. Et je dis, mais toi, quel est ton problème? Tu cherches quoi? Dis-moi ce que tu es en train de rechercher dans la nuit profonde. Et quand je lui ai dit ça, elle ne m'a pas répondu. Moi-même, tellement je voyais la situation, j'avais peur. Et je dis, hé, toi, enfant placé, je ne peux plus te regarder en face. J'ai commencé par avoir peur. Et je lui ai dit aujourd'hui, là, ce que je t'ai fait, tu vas me le dire. Et quand je lui ai dit ça, l'enfant m'a détourné. Et quand j'étais allé regarder là où l'enfant s'était couché, et je voyais toujours l'enfant là. Cela voudra dire que l'enfant avait l'esprit d'ubiquité. Est-ce que c'était dans un rêve ou bien c'était la réalité? Je ne rêve pas, c'était la réalité. Et la voix me disait, c'est cet ombre-là qui prend l'enfant dans la journée et le soir, il le délaisse. Et moi-même, et puis j'ai commencé par prier. En priant, je ne pouvais plus ressentir ma voix était bloquée. Ce que je disais, je ne m'entendais même plus. Et puis je criais. Et je dis, hey, papa, l'enfant est devenu dehors. Et mon époux n'entendait pas. Mais quand je faisais dos à l'enfant, la voix me disait, si tu lui fais dos, elle va te tuer. J'ai commencé par prier. Ah, j'ai constaté que l'enfant s'est transformé en une personne âgée. Aha, Eulizo. Ça y est. Quand l'enfant s'est transformé en une personne âgée, j'étais allé à la salle à manger là où elle s'était couchée. Je retrouvais toujours le même enfant là. Et puis je continuais dans la prière. Et je priais. Ma voix ne sortait pas, mais je continuais dans la prière. Et quand elle s'est transformée en une personne âgée, elle avait toujours le visage de l'enfant. Elle s'est envolée. Elle a disparu. Bon, et puis j'étais allé vers l'enfant. Bon, et je l'ai réveillé. Et l'enfant m'a répondu. Et cela m'a réjoui. Et je dis, Dieu sera avec toi. Et je suis allé me recoucher. Le matin, l'enfant a changé de comportement. Mais l'enfant, ils ont changé son comportement. Elle n'est plus
trop accrochée à moi. Elle est devenue distante depuis ce jour. Bon, ma partie vit donc. Et c'est le Dieu de partie vie et pas t'as mis bien qui m'a surprise de cette façon-là. Ben, vie, vie, vie. Et cela m'a réjoui. Dion, vio, l'enfant est où présentement? Après les congés, une semaine après, je l'ai renvoyé chez sa maman pour qu'elle aille se reposer un peu. Elle m'a dit, je ne reviendrai plus haut. Mais j'ai tout expliqué à sa maman. L'enfant a refusé de revenir vers toi. Acclame Jésus. Pourquoi nous, Jésus? S'il y a encore dans ta maison aussi. Après ce programme, il va partir. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et vous-même, quel changement avez-vous constaté dans votre vie personnelle? Moi-même avant, j'étais trop sévère. Et puis je me disais, je sais que je suis sévère. Donc vous reconnaissez que vous êtes sévère. Je sais. Et parfois, ce que mon mari devait me dire dans un coup pour qu'on puisse se distraire, je le prenais mal. Et il n'y avait pas ces moments-là où on pouvait se distraire un peu. Et mon mari me disait constamment, hey, jeune fille, c'est toi qui es en train de détruire ma vie. Hein? Mais avec les prières que je suis sur la chaîne Pot TV, aujourd'hui, ce n'est plus ainsi. Waouh! Et qu'est-ce que votre mari a l'habitude de dire maintenant, après ce changement? Aujourd'hui, je ne suis jamais venu si c'est la première fois. Des 3 jours, c'est quand ce programme a été initié, ce réveil, c'est lui-même qui m'a mis dans un taxi. Et je suis venu à cet endroit. Et il me disait constamment, si je n'arrive pas à rencontrer l'homme de Dieu, de ne pas rentrer à la maison. Acclame Jésus. Au Jésus. Tu peux rentrer maintenant. Oh, acclame Jésus. Au Jésus. Elle priait comme l'enfant. Avant, l'enfant avait transformé leur chambre en couvent et circulait dans la chambre. Comme elle a prié, l'onction est descendue. Il est rentré dans l'oreille spirituelle. Tu comprends? Et a vu ce qui se passe dans sa chambre. Elle a vu comme son père voit. Clairement. Elle a commencé par prier. Elle n'a pas la capacité de délivrer un sorcier. Tu sais que c'est l'enfant qui t'a bloqué ta voix. Ah, ouais, non. C'est lui qui l'appelle. Quand tu parles, tu ne t'entends pas. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu dis au nom de Jésus, ta oui. Voix ne viendra plus. Tu dis au nom de Jésus, ta voix ne viendra plus. Tu ne verras plus ta voix. Ce que nous disons, ce n'est pas quelque chose avec lequel on doit s'amuser. On ne s'amuse pas avec. Alors, au nom de Jésus, quand tu dis au nom de Jésus, ta voix ne viendra pas. Depuis que tu es ici, tu m'as déjà entendu ma voix partir. Hey, oh. Non. C'est la voix qui est votre nourriture. Je déclare sur ta vie. Ce qui ne veut pas que ta voix sorte. Je le tue au nom de Jésus. Grâce. Grâce. L'esprit de colère part. Au nom de Jésus. C'est bon, c'est fini. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie.
m'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.